Bien, ben, merci Claude et Jackie de nous recevoir chez vous. C'est très Avec gentil plaisir. pour évoquer des souvenirs liés à notre village. Alors, est-ce que je peux vous demander quel âge vous avez, Claude? Moi, j'ai 88 ans et demi. D'accord. J'aurai 89 ans le 27 avril. Très bien. Et vous, Et moi, Jackie? j'ai, je calcule, 3 ans et demi de moins que moi. 85 ans et 3 mois. Très bien. Est-ce que vous êtes nés à Poussin tous les deux? À quel endroit Alors exactement? nous sommes nés, moi en tout cas, lui je ne sais pas, je n'étais pas là, à l'ancienne maison des jeunes. Oui. C'était un bâtiment, je crois, qui appartenait à la commune. C'était l'ancien hôpital. J'ai jamais Oui, ça a su, été un hôpital. quand on habitait là, si nos parents payaient un loyer ou je ne sais pas, je ne me rappelle pas. En tout cas, on habitait, moi je suis né au premier étage, la pièce qui fait le coin quand on arrive à cette maison. Oui, je Je suis vois né très là. bien. D'accord. Il y avait le jardin devant, là où Ouais. M. Lurca a fait sa piscine. C'est ça. Et vous êtes né aussi à cet endroit-là? Non, je suis né au-dessus de l'immobilier Pastre, Ah oui. en haut. Ouais. Maintenant, on rentrait par la petite rue derrière. Je pense que l'entrée était derrière D'accord. la rue des Mouches, qu'on appelle. Oui. Vos parents habitaient là donc à l'époque. Ma mère, parce Je suis que. né là, maintenant on n'habitait pas encore à On n'habitait pas à la Grand Rue, je Pour crois moi, pas. c'est à la Grand Rue, on y est venu. J'ai un souvenir très très vague, moi j'avais 2 ans. Voyons, je calcule. Ça devait être avant la guerre, quoi. Ouais. Vraiment avant la guerre. Ouais. Et on habitait dans cette maison-là, l'ancienne maison du jeune, avec la famille Falipou. D'accord. Madame Chazarol, Oui. qui avait une sœur jumelle qui est décédée, qui avait un frère qui est décédé, il reste Jacqueline. On Oui, c'est habitait ça. ensemble dans cette maison. La femme D'accord. de Jean-Claude Pons. Oui, je vois très Ouais. Et bien. puis, Je vois très pendant bien. la guerre, ma mère a acheté cette maison. A acheté la maison où habite Claude. D'accord. Elle l'a achetée, C'est on ne connaît 4 rues. C'est ma exactement. fille qui habite. Et nous, on avait acheté le magasin à côté. On a construit sur le magasin où il y avait un dépôt de produits agricoles. D'accord, ok. Et quel était le métier de vos parents? Qu'est-ce qu'ils faisaient vos parents? Qu'est-ce qu'il faisait Comme le métier? métier? Mais Oui. mon père travaillait dans les ponts et chaussées. D'accord. Il était titulaire du cylindre qui sert à ce moment-là. Il conduisait le rouleau Voilà, compresseur. il conduisait un gros engin. Il faut que je vous laisse. Oui. Claude, non, mais Claude, il va vous dire tout. Hein. On va continuer avec Claude Il alors. a une mémoire hein, prodigieuse. Et votre maman était à la maison, j'imagine. Couturière. Elle était Ah, couturière. elle était Elle couturière. allait chez les gens et D'accord. elle habillait les gens avec ce qu'on lui commandait. D'accord. Et il avait des vignes aussi, votre papa, en plus À de la son fin, métier. il avait une petite vigne. Et puis il en a acheté une autre, et ça s'est arrêté là. Hein. D'accord. En tout, on avait 5 000 pieds. C'est tout. D'accord. On faisait un peu de vin. Fait mon père travaillait après la journée. On allait à la vigne, on allait lui aider. On faisait des tours de souche, on piochait, quoi. D'accord. Voilà. Et comment ça se... Quel souvenir vous gardez de votre petite enfance? Quel souvenir vous gardez de cette petite enfance? Le souvenir, c'est que là où on habitait, à la Grand-Rue, Ouais. à l'ancienne MJC, il y avait un petit jardin derrière. Et ma grand-mère, on allait l'aider, on coupait de l'herbe, elle faisait des tas, et il y avait un palmier. Ouais. Il y a Un foutu le palmier. feu. Ah bon? Et j'ai mis le feu au palmier. Comment? Non, mais j'étais amusé à faire du feu, et ce Ah. palmier était plein de. Tu sais ce que ça fait, ces filaments Oui. tout autour du troll, Oui, là. tout. C'est Je partis bourru, en il y a du. torche, je cherche le palmier. Puis la flamme, elle est partie. De suite, elle était en haut, et je vois ma grand-mère avec la pioche. Elle tapait sur l'arbre pour arrêter le feu, mais il était déjà mort. Et quel âge vous aviez là, quand vous avez mis le feu au palmier, donc? Moi, c'était 7 pas. ou 8 ans. Moi,
Vous en souvenez-vous, Jacqui? Non, vague, c'est très vague. C'est 10 ans, 7 ans. Ah, ça fait loin. Et oui, ça fait loin. Mais des fois, on se souvient des choses plus lointaines que des... Voilà, le palmier, je me rappelle quand il y a mis le feu. Mais... Une torche. Et ma mère, moi... Ma... Ah, j'allais dire, là, quelle a été la conséquence? J'ai eu une raclée, une bonne punition, elle m'a tapé, elle m'a frappé, elle m'a giflé, tout ça. Oh, et elle m'a enfermé dans le cabinet qui était... Il y avait un couloir, et au fond, il y avait le cabinet, elle m'a enfermé à clé là-dedans. Ah ouais, vous aviez peur. J'avais pas peur. Moi, je me rappelle pas des locaux du tout. Ouais, j'étais comme ça. Hein. Eh ben oui, bien sûr. Eh oui, vous j'ai un 38, quelques donc, années de moins. Comme c'était en 40, 41, ah, ouais, deux non, ans, vous étiez ans. Trop jeune. Vous étiez trop jeune. Et vous alliez à l'école à quel endroit, alors, la petite école maternelle et... Là où est la poste. Là où je suis allé, moi aussi, voilà. L'école maternelle. Et c'était Madame Odoat qui s'occupait de nous. Eh bien, moi aussi. Hein. Ça remonte à vous. À ce moment-là, moi, j'étais conseiller municipal. Ouais, je fais un mandat. D'accord. Et c'était sous quel maire? Pardon? C'était quel maire à l'époque? Marcel Icard. D'accord. Il y a eu un tour de passe-passe, enfin, bref. Ouais. Ça, je m'en rappelle très bien, mais bon, c'est dans la vieille histoire. Et donc, j'étais conseiller municipal et j'avais fait acheter par la mairie le caméra Super 8. Ouais. Et j'avais fait un film, en particulier sur le carnaval, et j'avais fait un film sur lequel on voit des images de l'école maternelle de l'époque, ah, avec ça, le portail d'entrée, tu te rappelles du portail? Ah oui, tout à fait. L'escalier. Ah, je me rappelle de tout, moi. Ouais. Et ce film, l'avais donc laissé, c'est un film qui appartenait à la collectivité, donc ouais. Je l'ai laissé à la maison des jeunes. Monsieur Lagali venait d'arriver et ce film, j'avais fait un montage, c'était, il avait le bonheur d'écouter. Il l'a prêté, elle ne lui a jamais rendu. Oh, alors c'est film, dommage. Hein. Le premier carnaval de Poussin, quand il a repris en 60, 15, que, 16, c'est le rubis qu'il avait pris après. C'était 16, non alors, je ne sais plus. Dans ces eaux-là. Par là. Ouais. À la fin des années 70. Qu'est-ce que c'est dommage. Et jamais revenu. C'était un film où il y avait tout un tas de... J'avais filmé des personnages, tout ça. Ouais. Et donc, là, il ne sait pas du tout où il est passé. Qu'est-ce qu'il est devenu? Il m'a dit, je l'ai prêté, mais on ne l'a pas ramené. Ça, c'est un beau témoignage. Hein. Ouais. Là, c'était celui-là, il était vraiment... D'accord. Il faudrait le marquer. Avec du matériel pacotille. J'avais une Super 8. Ben oui. Après, moi, j'ai refait des films avec une autre caméra. C'était à l'époque où on faisait les Super 8. Tout à fait. Bien sûr. Et l'école élémentaire, après la maternelle, vous étiez où? Moi, à Poussin. Mais où? Eh bien... Là où il y a Véronique Hébert. Ça va réfléchir. Non. À l'école des Beaux. Là où il y a l'école des Beaux. Alors, là où il y a l'école des Beaux actuellement, ouais. Je crois que je suis rentré au CP là, j'ai fait toute la scolarité primaire là, jusqu'en 1955. Et le collège à la suite? Après, j'ai fini ma scolarité à Poussin en 1955. Je suis rentré à l'école normale en 1955. D'accord. Sorti en 1959. Et depuis, je suis à Poussin. D'accord, l'école normale, vous l'avez fait à Montpellier, à l'école normale. 4 ans, à l'époque où elles existaient encore. Oui, j'étais la première promotion à ne pas y aller. Ça a été supprimé. Ah ouais. Oh. On m'a envoyé à Béziers. Ça, c'est vraiment... C'est dommage. Hein. Oh ouais. Ah ouais. Ils avaient arrêté. Et vous vous souvenez de vos maîtres de l'époque, les enseignants? Oui. Dites-moi. Monsieur Jouary, Monsieur Ricom. Ouais. Jouary, il était originaire de Florensac. Saint-Tibéry. Saint-Tibéry, ouais, à côté. Je confonds avec Florensac. Je suis allé sur sa tombe il y a quelques années. Hein. C'est un maître qui a marqué ma vie scolaire. Ah oui, je le crois. Jouary, c'était vraiment un précurseur dans sa méthode d'enseignement. L'enseignement, ouais. J'étais à l'école des garçons, à la salle là-haut. C'est ça. Et en haut, il y a marqué école laïque, ça y est encore. Hein. Oui. Et toujours, hein. Ah ben, ça, le fronton n'a pas changé. Ça bouge pas, hein. Non. École laïque, c'était, peut-être deux garçons.
Oui, je crois. Et ils étaient sévères quand même à l'époque, les enseignants. Oh, l'enseignant, c'était l'enseignant, c'était un personnage sacré. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on a beaucoup perdu. Il y a des noms qui restent comme ça. Ricom. Trolcher. Ah, Trolcher. Trolcher, c'était le directeur de l'école. Moi, je l'ai eu au collège après, parce qu'il était directeur au collège. C'était le directeur du cours complémentaire. Quand l'époque transitoire entre le primaire et le collège, je me souviens. Je me souviens, monsieur Tronchard. C'est avec lui, moi, que j'ai préparé le concours d'entrée à l'école normale. Ouais. Lui, monsieur Lopez, qui, déjà. Il était à ses débuts. Ouais. Pendant des années, on se voyait régulièrement, il venait chez nous deux fois par semaine jouer. Ah oui, d'accord. Voilà, j'ouvrais le portail là-haut et il rentrait par le fond. Oui, 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 je connais. En voiture, il venait jusqu'à la. Et vous jouiez à quoi? On jouait à séquence. C'était un jeu qui a ses origines au Canada. D'accord. C'est par sa fille Armel qui habite au Canada. Oui, je savais. Ils nous ont montré ce jeu, ça nous a plu, on a acheté un. D'accord. Très bien. C'est un jeu. C'est pas tellement cérébral, mais enfin, bon, il y a un peu tactique. Une anecdote. C'est intéressant, quoi. Une anecdote. Monsieur Tronchard, il nous donnait des cours aussi. Je me rappelle que c'était géographie. Moi, c'était l'instruction civique qui me tournait. Il passait dans les, entre les bureaux. Oui. Il y avait une allée, il avait une grande blouse grise. Oui. Je cite pas des noms, il y en a un. Il est parti. Il a trempé la plume dans l'encre. On avait de l'encre violette. C'est ça. Il trempait la plume dans l'encrier. Et quand il tournait, qu'il avait le dos tourné, il aspergeait d'encre. Il avait purée. La blouse, toute violette, derrière. Lui, il ne se rendait pas compte. Tu exagères un peu, toute violette, quand même. Vous avez bien dans l'époque où il y avait les encriers qui s'y allaient. J'ai connu ça. J'ai connu ça. L'encre violette et l'encre rouge. C'est ça. On se disputait. Je ne veux pas citer le nom. Bon, il est décédé maintenant. Tu finiras par le dire. Oui. Allez-y. André, à droite. Ah, ben oui. Lui, ah, alors, c'était. Ah oui. Quand il y avait une connerie, ah, oui, mais il ça, était impliqué tout le temps. Une bêtise. C'est pas grave. Et dites-moi, après l'école, quand on était petit à Poussin, quelles étaient les occupations? Ou pendant les vacances d'été, voilà. Qu'est-ce qu'on faisait? Parce qu'il y avait On allait à la montagne, dans l'Aveyron, chez des cousins. D'accord. À Sévérac-le-Château. À côté. Près de Rodez. On passait un mois finalement en famille là-haut. On allait dans les prés, on promenait. Ouais, on n'a pas fait comme ça, j'essaie de me rappeler. Non, sinon, quand on était petit, et que nos parents partaient en vacances, parce qu'ils avaient droit aussi, on allait à Ballaruc chez la grand-mère, le grand-papy Isidore. On allait passer 15 jours, un mois chez eux, à Ballaruc, le vieux. Et le week-end, on allait manger chez le grand-père Isidore. Et on partait à pied de Poussin à Ballaruc, le vieux. Ah oui. À pied. Quand ils ont tourné le film à Ballaruc le Vieux, il y a longtemps, une fille, tu l'as jamais vu ce Non, film non. Parce une fille dans le Il est passé, le maire de Ballaruc, les belles, la sortie de la médiathèque, enfin de la fille, comme on appelle ça, la filmathèque française. Ouais. Et il a été projeté à Ballaruc, il y avait un monde incroyable. Ah bon? C'était le village Fontenac le Vieux, avait été baptisé, c'était la vie. Il y avait pas de Poussanet qui habitait, qui jouait, Félix Quintu qui jouait, qui figurait dans le film. Figurant. Et c'était à quelle époque ce film? Ce film, c'était que moi je devais avoir une douzaine d'années, dans les années 38, 50, 51, 52. D'accord. Ouais. Ah ouais, ce serait intéressant de le voir ce film. Ouais. Alors nous, on avait sauté sur l'occasion. Ben, on y a revu le grand-père qui figurait. À Ballaruc le Vieux, là. Il était originaire de Ballaruc, le grand-père? Ouais. D'accord. C'est Ballaruc. Ballaruc le Vieux. Le Vieux. D'accord. Très bien. Et les carnavals, vous vous rappelez quand vous étiez petit, s'il y avait des carnavals à Poussin? Vaguement, mais je me rappelle. Oui. Parce que on était jeune, hein? Ouais, ouais. Le carnaval, il bafouillait un peu, c'était. On faisait peut-être le bras de la chemise, il y avait un bal costumé. Oui.
Mais ah oui. C'était pas. Il y avait un bol dans le marché. Oui. Ouais, moi je m'en souviens. Et il y avait les mères de les filles. Oui. Il y avait les parents qui surveillaient. Oui. Parce que quand on dansait, il fallait pas trop serrer, trop. Enfin. Il y avait Claude, Falipou, lui dansait pas. Mais pour faire certaines conneries, il les faisait. Alors, de temps en temps, quand il y avait le tango, il coupait la lumière. Ah. Il y avait le compteur, il était au compteur, il coupait la lumière. Alors tu avais les mères de famille qui se levaient pour voir. À ce moment-là, le marché, la lumière revenait. Il était utilisé. Et oui, 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 oui. Oui, tous les bals se faisaient. Je me souviens quand on organisait la fête, là, le comité des fêtes, les jeunes, tout se passait dans le marché. On faisait venir des orchestres et jouer dans le marché. Et oui. Mais ça correspondait à peu près à la taille du village. C'est ça. C'est ça. Là, tu fais un truc dans le marché. Et oui. Tu mets 200 personnes. Et le malheur, c'est qu'à Poussin, maintenant, il n'y a plus de place, pratiquement pas assez de place, hein, de stationnement. Ah, ça y est. Il ne faut pas entamer ce chapitre, sinon. Non, non, mais c'est sûr que tout le monde en parle. Hein, non, mais le marché, non. Les gens s'en approcheraient s'ils pouvaient s'arrêter. Ouais. Le café. La mairie, là-haut, il y a des places. Hein. Et les gens, ils ne veulent pas marcher aussi. Ah, oui, ça, c'est vrai. Hein, c'est partout. On est tellement tributaire en Yorick. Et Jackie, je sais quel a été son métier, mais vous, Claude, quel a été votre métier? De père en fils. Oui, mais avant, j'ai fait. Qu'est-ce que. Après l'école. J'étais à 7 ans. Ouais. Et j'étais à la section menuiserie. D'accord. C'était un bon ébéniste, il aurait fait. Il était promis un bel avenir, il n'a jamais voulu se lancer. À Metz. Parce que c'est il très, était doué. Très bon ébéniste. Ah. Il n'a jamais voulu parce que, déjà, moi, je ne sais pas me défendre pour me faire payer à la fin. Ah. Il aurait fait faillite très vite. Ah oui, il aurait fallu quelqu'un avec vous qui tienne les comptes. La raison majeure, c'est que c'était très bon ouvrier. Ouais. Par contre. Il est très lent, perfectionniste. Or, dans un métier, comme par exemple ébéniste, il faut, fabriquer, broyer et vendre. Là, il n'était pas fait pour ça. Je fignolais trop. D'accord. Comme on dit, je m'attardais trop sur le travail. Ouais. Et du coup, vous avez fait quoi alors? Mon père travaillait au poste des chaussées. D'accord. Et il me dit, si tu veux rentrer comme auxiliaire. Alors je suis rentré au pont de chaussée, mais sans être titulaire. Je suis resté quelques années. Entre-temps, j'avais passé mon permis poids lourd. Et je voulais. L'ingénieur me dit, Morgon, vous prenez la place de Crouzet qui conduit le camion quand il partira à la retraite. Et effectivement, quand Crouzet est parti à la retraite, hein, j'ai pris le camion. D'accord. Et le camion, comme on s'en servait à. Il était pour Frontignan aussi. De 7 ans, j'étais appelé. Il me fallait aller à Frontignan aussi. Alors je passais des périodes à 7 ans, des périodes à Frontignan. D'accord. Et à la fin de 7 ans, j'allais à Metz. Comme j'habitais à Poussin, je prenais le camion pour aller travailler à Metz et je rentrais avec le camion. Ça m'a faisait économiser le. Bien sûr. D'accord. Un peu d'essence. D'accord. Donc ça a été votre métier. Ouais. Et le jardinage aussi, quand même. À la fin, quand j'ai pris la retraite, hein, que j'ai eu Olivier handicapé, je me suis dit, tu peux pas rester inactif. Alors j'ai fait le jardin. Ouais, ouais, ouais. Et il n'y a pas longtemps que j'ai arrêté le jardin. Je sais, je vous voyais. Et vous, à la retraite, Jackie? Ouais, à la retraite. L'espace, c'est qu'il y a 2000 mètres carrés. C'est magnifique. Oh, tu connais parce qu'une fois le théâtre s'est déplacé. Tout à fait. J'y étais. Et donc, on s'occupait avec Monique des jardins. On cultivait partout. On faisait beaucoup. Et puis, on partait en vacances. Moi, ben oui, bien sûr. On était fans de caravane. Nous, on partait un mois. Des fois, deux mois. Ouais. Mais c'est tellement long là que tu voudrais tout dire, mais bon, il y a trop de choses à dire. Et la religion, quelle était l'importance de la religion quand vous étiez jeune? J'étais pas catholique.
D'accord. Déjà, je n'allais pas à la messe. Hein. Vos parents n'étaient pas... Ne dis pas que tu étais catholique, tu as été baptisé. Mais oui, oui. Donc tu es un disciple, toi aussi. Je ne suis pas fermé. Malgré toi. Mais vos parents, ils étaient... c'était des gens qui allaient à l'église de... vos parents à vous. Mes parents, moi, non. Non, d'accord. La grand-mère. Ma mère, un peu... Mais vous avez fait baptiser, quand même. Ah, j'étais baptisé, oui. D'accord. Puis du côté de ma mère, et surtout ma grand-mère... maternelle, une sainte femme pour nous, hein, ma Marthe. Elle venait, on dormait ensemble dans un lit assez large, mais pas trop large quand même. Hein. Et ma grand-mère nous faisait faire la prière. Nous, on s'en foutait. Hein. On disait 4 mots pour lui faire plaisir. Non, à ce moment-là, on la faisait avec conviction, parce qu'on aimait la grand-mère, donc ça s'est répercuté. Et, ouais. Et on se tirait les couvertures. Alors lui, il prenait du drap. Moi aussi, alors chacun tirait à son côté. Au bout d'un moment, le drap, il s'est déchiré. On a déchiré le drap. Tout ça parce que lui, il voulait toujours davantage de couverture, hein, et moi pareil. Bon, vous entendiez bien dans l'ensemble. Oui, pour faire la preuve, vous êtes encore ensemble. Moi, j'ai toujours entendu. Ouais, ça c'est beau. Ça c'est beau. Et alors... c'est notre père qui nous a, nos parents, oui. Qui nous ont inculqué cet esprit. De famille. Mon père, c'était un homme extraordinaire. Bon, il est mort prématurément. Ah, il est mort jeune. Ah, 69 ans. Ah oui, effectivement. Il a chopé un cancer. En 3 mois, il a été... Cancer du pancréas. Ah, celui-là... Il a été prisonnier quand même 5 ans, en Allemagne. Hein. Plus que prisonnier. Plus que... On l'avait mis dans... Il avait une tumeur qui lui... Une tumeur avec des métastases partout. Le docteur... peu importe. Renaud. Non, qui l'a opéré. Boriazo l'a opéré, il l'a refermé, il dit c'est pas la peine. C'est pas vrai. Et il mort chez moi. Ici. Non, pas vrai. Alors moi j'ai dit, je veux pas qu'il meure à l'hôpital. Alors le docteur Roule a pris ça en main et sa femme qui s'en occupait, qui venait pour les perfusions, tout ça. Ouais. Il est mort dans la chambre en dessous là. Et ouais, c'est triste, passons à autre chose. Oui, oui, oui. Alors justement, des questions un peu personnelles. Comment les filles et les garçons se rencontraient à l'époque, quand vous étiez jeunes hommes? Déjà pour la fête de Poussin, ouais. Ou pour la foire, ouais. On se promenait au riverain. Ça, je le voyais faire. Donc, ça, on faisait que des va-et-vient. Ouais, ouais. Il y avait les filles et les garçons. Pas mélangés. Pas trop, non, je pense, non. Mais en fait, quand il y avait le bal, on l'invitait, on le choisissait une, hein, qui acceptait de venir danser. Oui. Certaines disaient non. Et moi, ce que je me souviens, c'est que je voulais faire la valse, hein, et Yvette Salat m'a dit, mais viens, on va faire la valse. Elle m'a fait tourner, putain. Il partait le décor. Quand je me suis arrêté, j'étais obligé de m'asseoir. Je me suis assis par terre, autrement je tombais. Ah oui. Tellement la tête me tournait. Je me rappelle de ça. Ouais, par contre, le tango, c'était pas pareil. La rumba, j'aimais bien ça. La rumba, le tango, quand tu serres ta cavalière. Oui. Et votre épouse, vous l'avez rencontrée comme ça, à Poussin, dansant? À l'occasion d'un mariage. Hein. Ouais. Je travaillais à la menuiserie à Frontignan. D'accord. Et il y en avait un qui travaillait avec moi. Il me dit... Ils se marient, mais je t'invite à ma noce, hein, tu auras ma cousine, hein, comme cavalière. Hein. Et ma cousine, c'est devenue ma femme. Ah oui, c'était souvent comme ça à l'époque. Et vous, Jackie? C'est complètement différent. Les contacts avec les filles, moi j'en ai pas eu beaucoup. Les 4 ans d'école normale, disons que j'ai commencé à fréquenter avec Monique et je me suis contenté de Monique depuis le début. D'accord. Et sinon, avant, il y avait des groupes de jeunes comme ça. Se rencontrer, on faisait ce qu'on appelait, on va faire une surboom, on se rassemblait dans la maison des copains. On dansait, mais c'était tout à fait pour passer le temps. Oui, oui, pas oui, oui. Agréable. Oui, oui. Sinon, les choses ont tellement changé, maintenant que... Non, mais c'est vrai. Ah ben oui, c'est sûr que ça n'a plus rien. Pas voir. Forcément positivement, mais ouais. Ça a évolué d'une façon. Ouais. Et les mariages, vous êtes marié en premier, Claude?
Non, c'est lui qui s'est marié. J'ai commencé, moi. Moi, je suis marié à 20 ans. Monique avait 20 ans et moi, je n'avais pas 21. D'accord. On s'est marié en 59. À Poussin ? À Poussin, oui. À l'église ? Mairie, église. Et... Quel maire vous a marié ? Alors, le maire de l'époque. François Mouir, là. Qui c'était que le maire de l'époque hein. Oh, on pourrait le retrouver, hein. On a tout. À la mairie, on a les noms. C'est pas Rigaud, c'est François, comment peut-être François. Non, c'est pas François. Pujol. Non, c'est pas lui. C'est celui de le maire d'Arles. Jean Favre, peut-être. Ah. Peut-être Jean Favre. Et le prêtre, vous rappelez? Le prêtre, l'abbé Villeneuve. Ah, ouais. Brave curé. Oui, oui. Mais peut-être que quand je me suis marié, c'était déjà passé à. Comment il s'appelait là Claudel? Non, oh, non, Claudel c'était après. Je vois pas qui. Hein. Si, comment il s'appelait le parrain avec M. Azaïs de la banque. Le père. Il a écrit des livres avec Negri. Ah oui, 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 oui. L'abbé Cabrol. Cabrol. Et je sais, alors là, c'est très flou, je sais. C'est peut-être pas Cabrol. Bon. Pour regarder 59, Et vous avez eu, après vous avez fait un repas quelque part? Alors à ce moment-là, on faisait le repas de famille avec les amis. Et ça se moi, passait où? Ma mère était déjà très mal, elle se portait pas bien. Ouais. Elle était couchée la plupart du temps. Elle avait sclérose en plaques. Hein. Ah oui. Pardonne pas. Non, la véritable maladie qu'elle avait, c'est la maladie de Paget. C'est-à-dire, c'est la compression médulaire par des excroissances osseuses. À tous les niveaux, en fait. Bref. Donc, on n'a pas fait un repas dans une grande. On a fait ça, c'est mes beaux-parents. À la maison qu'il y a, comme maintenant Christian a vendu, qui est à face, à côté de l'ancienne mairie, là. D'accord. À la maison de mes beaux-parents. Ah oui, 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 oui. On avait nègre, sorti... C'était nègre, vos beaux-parents. Oui. On avait sorti tous les meubles de la salle à manger. Oui. Et on avait mis les tables. D'accord. 30. Oui, oui, à l'époque, on n'était pas. Sinon, on avait fait la maison. Sinon, ça se faisait les repas. Il y a un traiteur pour faire à manger. C'est une dame cuisinière, souvent, du village, non? Voilà. Hmm. Madame Rigal, Oculi. La mère de Bernard Oculi. Rigal. Oui, oui, oui. Oui. Sa mère, je me rappelle, elle avait fait la cuisine quand on s'est mariés. Elle était amie avec ma mère. Et c'est elle qui est venue faire à la cuisine, servir à table, etc. D'accord, c'est un bon souvenir. Il avait Bénite. Hein. Pardon? C'est un bon souvenir, je dis. Ah oui, ah, quand même, ouais. Ça fait partie des bons. Et oui. Et vous, Claude? Je me suis marié au pays de. Au village de ma femme, c'est où? À Sumène. Ah d'accord. À Prégage. Ouais, ouais, ouais. 6 km. On était nombreux là, hein. C'était un mariage. Okay, donc vous n'étiez pas à l'église, vous étiez à l'église là-bas. La mairie et l'église à Sumène. Tout ça s'est passé à Sumène. À Sumène, oui. Voilà. D'accord. Là je calcule. Mon beau-frère était prêtre. Le frère de René de ma femme. Il était prêtre. Était prêtre. Donc c'est lui, non, qui, c'est vous lui qui nous a mariés. Bon, mais est-ce que vous avez d'autres souvenirs à nous faire part? On avait une cambuse à l'époque, les jeunes se réunissaient. Allez-y. Pour faire des repas. Oui. On avait une cambuse hein, à la rue de la Valfère, au plan de Morat. Là. Oui, je vois aussi. Là où habitait Ginès Navarro. Oui. Au fond, il y avait la cambuse et on n'avait pas de lumière. Hein. Alors on avait deux fils qu'on accrochait là, avant les lignes électriques étaient... Ils prenaient le courant. D'accord. Au risque de. Au péril de leur vie. Ah oui. Ah oui. On nous a mouchardés. Ah. On faisait du bruit. Alors, les voisins, à minuit, ils aimaient dormir avec nous. Ouais. Et alors, ils nous ont mouchardés à Soulas. Soulas était celui qui s'occupait de relever les compteurs et d'encaisser la lumière. Et il nous a. Il nous a attrapé, il nous a dit, vous allez payer un procès. On a donné 5 francs. Chacun a donné 5 francs pour payer le... La pièce en aluminium grosse, t'as pas connu ça, la pièce de... Comme on voit, c'était le prêt du dimanche, on avait volé le dimanche avec ça. Ah, Michel, Jean-Marc. On avait volé la lumière. Je te laisse la livraison de M. Marc sur la table d'or. D'accord. Allez. Merci Marc. De rien.
Je m'arrangerai avec Marc, avec Marceau. Lui, je voulais savoir. Bon. Marc. Et nous, la Cambuse, on l'avait, tu vois, la petite... Où habite Bernard Jaco Brun, la maison d'en bas. Là, c'est la petite cave. Oui. Et quand tu attaques la petite cave, tu passes à la maison Brun, et dessus, il y a un petit renfoncement, il y a un magasin. Oui. Et dans ce magasin, il y avait un petit local, avec une fenêtre, c'est tout, hein, une ouverture. Et le père Bellet, qui était propriétaire, nous le prêtait pour faire un Cambuse. On faisait Cambuse là. Et ça consistait en quoi alors les Cambuses? Quand il y avait, vulgairement parlant, un coup de gueule, on faisait là. Si on gagnait au loto, par exemple, à ce moment-là, on gagnait des volailles. Ah, on faisait un loto. Petit loto. Dans la Cambuse, on était tranquille. Et vous étiez on pouvait faire du bruit. Vous étiez combien à peu près? Dans la bande. Allez, une douzaine. Hein. Des garçons. Ah, des garçons. Oui, mais oui, on une fille dans la Cambuse, la pauvre. Alors, pour revenir à là où on était à la Cambuse, oui. À l'impasse de la Valfère, là, on avait préparé le repas, on était ressortis. Et entre-temps, il y a un chat qui rentrait, qui commençait à manger. Alors, il y en a deux ou trois qui montent pour faire partir le chat. Et Claude Falipou, il était planté devant la fenêtre, et ce chat, quand il s'est vu pris, il a sauté de la fenêtre, hein, avec les griffes comme ça. Il a labouré tout le nez de Claude Falipou, il a eu tout le nez labouré. Il était en sang. Oh, purée. Le nez, ça saigne. Hein. Bon. Eh oui, bon, un souvenir. Ça ne nous a pas empêché de manger. Un souvenir de la tête de manque. Eh oui, c'est sûr. Par exemple, les rassemblements, quand arrive le beau temps, lundi de Pâques, on allait à Issanka. Ah, à pied, on partait à Issanka et on faisait on se rassemblait là. Il y avait un tas de monde. Ah oui, mes grands-parents me le racontaient ça. Issanka, on ne peut plus y aller. Non, c'est tout clôturé en plus. Ouais. Moi, j'essaie de me rappeler, mais maintenant, il y a des trucs. Les rapprochements, c'était très localisé, quoi, à ce moment-là. Maintenant, ça a éclaté, tout ça. Oui. D'abord, est-ce qu'il y a des bandes de jeunes comme nous à notre époque? Je ne sais pas. Nous, on était une équipe, on était entre 6 et 10, à peu près. On faisait un groupe. On s'occupait du comité des fêtes. La mairie nous confiait le comité des fêtes. On faisait séance de cinéma. Ah oui, alors dites-moi, où est-ce qu'elle se passait? Les séances de cinéma, soit au jardin public en plein air. Oui. Là où il y a le jeu de boules, là, contre le mur, il y avait l'écran. Ouais. Bon, les gens qui habitent au bord de la Loze, ils avaient le spectacle gratuit, bien sûr. Bon, mais enfin, il y avait des gens qui venaient. Et on avait aussi le cinéma, c'était à l'actuelle pharmacie. Et oui, celui-là, je l'ai connu. C'était le café de l'avenir. Moi, j'ai connu les trois cafés. Et on faisait séance de cinéma là, au profit du comité des fêtes. D'accord. Puis on faisait la lève, on passait tout avec l'orchestre qu'on louait. On faisait le tour du village pour ramasser les sous. On essayait de joindre les deux bouts. Très bien. Qu'est-ce que vous organisiez encore en tant que comité des fêtes? Oh, à part la fête du village. Hein. La foire de la Sainte-Catherine. La foire. La foire, bien sûr. Ouais. Le carnaval, non? Non. Le carnaval, c'était pas organisé. C'est le rugby qui a repris le carnaval. Oui, je me souviens. Disons, d'une façon... plus structuré. Voilà, structuré et comment je dirais. Oh, le mot ne me vient pas maintenant. Mais enfin, le bras de la chemise, tout ça, ça existait déjà depuis là-bas. Ça existait, ça se faisait. Ponctuellement, il y avait. Il n'y avait que ça. À la limite, un bal avait été déguisé. Ouais. Mais moi, je me rappelle, on allait faire le carnaval à Villeverac, par exemple. C'était plus En plus, on avait le choix important. Du bal, parce qu'il y avait le bal des rouges et le bal des blancs. Oui. Donc, on faisait le choix. Et vous y alliez comment, à Villeverac? Alors, quand vous étiez jeune. Pour les déplacements, pour aller à Sète, par exemple, ou autre part, on avait un taxi. Le taxi, t'as pas connu Monsieur Pierre? Ah si, j'en ai entendu parler en tout cas. On louait Monsieur Pierre, il avait une grande bagnole,
On rentrait 7, 8, 10 dans le... Une voiture ancienne. Ouais, on l'avait pris, nous aussi. On était dans la voiture, oui. La lumière s'est éteinte. Il y a eu une panne de lumière. Hein. Alors, il continuait à conduire en regardant les platanes. Pour être entre les platanes. La végétation d'en haut. Oh, il a fini par s'arrêter quand même. Oui. On a roulé un moment comme ça. Hein. Moi, je me déplaçais, je me rappelle, quand il était parti au service militaire, il avait une moto, je me servais de la moto. Ah, d'accord. Pareil, une belle moto, une 75 Téron, à l'époque, c'était une belle moto. C'était une jolie petite moto. Hein. Il a fini de me la ruiner. Je m'en suis servi pendant 2 ans. Pas sans accident, quand même. Non. Et vous aviez le permis, oui, vous avez passé le permis pas à l'armée. À ce moment-là, il n'y avait pas besoin de permis pour les motos. Oui, non, mais votre permis de conduire, vous l'avez passé. Et moi, je l'ai passé la première fois, 4 chevaux de mon père, hein, à Montpellier, aux Arceaux. C'était au début où j'étais marié, quoi. D'accord. Dans les années, entre 59, 60 et 61. D'accord. À l'époque, hein, il fallait aller passer le permis à Béziers. Je me souviens, on est parti avec ma moto dans la terreau, à Béziers, passer le permis. Mais voiture ? Le permis de voiture, oui. D'accord. Et... Ah, mais c'était une époque où je l'ai passé à la voiture de mon père. L'examinateur, fini, ça, terminé, il y avait des gens qui attendaient pour passer. Oui. Quand l'examinateur m'a donné le papier rose, me signifiant que j'avais le permis, les gens étaient... Il m'enviait de voir que j'avais le permis. Ah, et eux ne savaient pas s'ils allaient l'avoir. D'accord. Mais en fait, j'étais bien content de l'avoir. Vous saviez conduire déjà. Et après, le permis poids lourd, je l'ai passé à 7. Je me souviens à 7. Moi, on peut lire aux Arceaux. C'était convoqué aux Arceaux. Ouais. D'accord. Avec une 4 chevaux Renault. Alors, combien de vitesses ? 4 chevaux. 3 ? 3 vitesses ou 4 ? Alors, Dieu, on demande de trop. Je crois qu'elle n'avait que 3. Ouais. 3 et la marche arrière. Ouais. Eh bien, c'est bien tout ça. 4 chevaux. Pas d'autres souvenirs heureux ? Heureux ? Oh, il y en a eu. Il y en a trop. C'est difficile de choisir. On tirait la ficelle aussi. Ah, racontez-nous. Le plus fort. On va tirer la ficelle au pignanin. Ah, le martelet. Le martelet, ça ne se fait plus maintenant. Ça, ça s'est fait longtemps quand même. Hein. Moi, je l'ai connu quand même. Oui. Ah, mais Christophe, par exemple, c'était un joli luron, hein, oui. Avec sa bande. Là. Oui. Ce jour-là, on avait pris la rue de la coopérative et on tirait la ficelle au pignanin. Là où habite, comment il s'appelle hein. Le pignanin, c'était mon oncle, Antoine. Antoine. Non, pas Antoine. Bonnet, c'est ça. Bonnet. Le Pignanet, et oui. Et pour pas abîmer la porte d'entrée, de la chasse. On avait attaché une souche. Ah bon ? Au lieu de tirer avec une grosse pierre, on avait attaché une souche. Pour pas et finalement, quand on a eu fini, personne ne s'est bougé. On a dit... Il était chez sa fille. Il n'y avait personne. Hein. On a tiré la ficelle, il n'y avait personne dans la maison. L'important, c'est de vous faire plaisir en ce moment-là. Le plus fort, on avait fait tirer la ficelle là où habite Chavez, Fernand. À l'SPCU. L'SPCU. C'est pas bien connu. Alors, celui-là, il est descendu avec le fusil. Ah oui, lui. Bon, il n'a pas tiré, mais en fait. Lui, il a tiré. L'anecdote, c'est Jean, il s'appelle Jean, sa femme. Ouais. Fallait passer le fusil. Et ça veut dire que j'avais pas de chasse. Fallait passer quand même. Et alors il a récupéré la ficelle hein, qui servait, nous on était partis, hein, et récupéré la ficelle. Alors il disait récupération. Il a récupéré la ficelle. Mais c'était un bon client lui, parce qu'il sortait et il courait. Sortait, il avait le grosse voix qu'il portait, voilà, c'était rigolo. Quoi. C'est pour ça que les gens. On faisait pas de grand mal. Non, c'était gentil ça. Ouais. Je le craignais parce que je partais au travail en moto. Et chaque fois qu'il me voyait, il attendait que je descende, il avait sa sulfateuse au dos. La machine à sulfater. Une machine à sulfater. Il me dit, Claude, tu me prends ? J'y monte. Et il monte sur la moto derrière. Mais quand tu prends les tournants, il faut que celui qui est derrière, il épouse le... Ah oui. Et lui, il restait cabré, debout comme ça.
Et de plus, il me fait tomber. Hein. La machine pleine. Ah oui, elle était lourde. La sulfateuse remplie de sulfate. Hein. Il allait à Bouzy, au chemin de Bouzy. Il allait à Mouillère, il avait un morceau de vigne. Hein. Oui, oui. La Mouillère. Oui, la Mouillère. Là, il y a une anecdote sur, tu sais, à l'époque où la distillerie distribuait le 3-6. Oui. On avait droit au 3-6. Oui, hein. À 90 degrés. Voilà. Comme ton père. Absolument. Allez, on portait le récipient, on nous le remplissait, on avait droit à 1000 degrés. C'est-à-dire 11 litres à peu près d'alcool à 90. Chacun portait ce... Et il y en a qui portaient un récipient un peu plus grand, plus petit. Et lui, le PSPC, quand il avait demandé, c'est une anecdote, hein, il avait demandé, avec, qu'est-ce que j'amène pour le mettre? Oh, toi, il y en a assez avec un sucre. C'est-à-dire les vignes qu'il avait, la récolte qu'il avait. Ah, d'accord. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est des personnages. Ah oui, oui, c'est des personnages. Tout ça, c'était sur mon film, ils y étaient. Ah bon? D'autres personnes, quand je voyais des groupes de personnes âgées comme ça, hop, je m'approchais, c'est bien, je les filmais. C'est bien. Donc. Ah ouais, c'est dommage qu'on ne l'ait plus ce film. Bah, ce film, il est quelque part, à moins que la personne en question, ça ouais. soit débarrassé. Ouais. Ouais. Bon, mais maintenant, ça aurait plus trop d'intérêt parce que c'est trop ancien. Oui, ça intéresserait des peu gens, de gens. Des gens, ouais, d'un certain âge. Bon, ben on va vous laisser. Hein. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir reçus et d'avoir évoqué tous ces souvenirs. Ouais. Ça va être bon, je sais que j'en oublie. Il me revient des choses après. Bon, aussi, j'en oublie. J'ai pas lu tout raconter, mon pauvre. Il faudrait plusieurs séances. Oh, hein. Oui, largement. Eh bien, ça m'a fait j'avais plaisir. Invité Claude Falipou à mon mariage, à Sumer. Alors. Et alors, on fait un banc pour Claude Falipou pour qu'il chante. Bonjour. Et je vais vous chanter la chanson de la carpe. Ah, il s'est levé, il s'est assis, et il a dit la carpe est muette. Eh oui. Alors, il a pas chanté. Des courses, hein. C'est pas mal ça. T'as mieux. Tu n'as rien à raconter? Non, tu es jeune, toi, c'est vrai. Elle a l'air de moins que moi. Ah, mais c'était intéressant. Raconte-lui quand... Moi, je faisais partie de Boussin, j'étais pensionnaire jusqu'à... Quand tu sortais avec ma moto, ah, oui. tu étais sur la moto. Oui. Alors, tu n'as pas de souvenirs? Oh, que si. Ah. À la fin, le souvenir, c'est que la chaîne s'est cassée. La chaîne? La chaîne de l'entrée de la route. On était parti à Issyanka. À l'époque, c'était le café, il faisait danser aussi. Là. Ah oui, oui. Assis, le maire de Balarune. Oui, 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 je me souviens de ça. Et on était allé avec Monique, hein, danser, passer un moment à Issyanka. Elle était en tailleur, au talon, parce qu'elle mettait les talons hauts pour se mettre un peu en hauteur. J'enfourche la moto, je la mets en marche, je passe à la première, j'accélère, et la chaîne était par terre, elle avait cassé la chaîne. Oh purée. Ça a été la fin de voilà, la moto. Un souvenir ouais. Rigolo, quoi. Et revenir à pied avec la moto. Et Monique se retentissait derrière, et moi je poussais la moto. Ah, ouais. Il m'a dit, je te rends la moto, mais tu la feras réparer. Ça a été la mort de la moto. Ça a été la fin de la moto. Ouais. Eh bien, très bien. C'était très sympa.